Ça, la vie en 1v1, je le fous droit, les gars. On dirait un rat géant. Je le défonce. 1v1, il est finito, lui, hein. Coup de pied, genre. C'est toi, non, c'est vous, c'est vous. Ça, c'est tous les rats du chat qui attendent un sub. You, mon Seb, bah, je le vois pas. Regardez, carrément, vous regardez. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as un problème? T'as un problème? Tu veux qu'on stoppe? Connard! Baisse la tête! Baisse les yeux! Dans la tête! C'est ça, change de plan, change de plan! Ça, tu vois, je pense que. Une petite flèche, tu vois, au niveau de la gorge. Après, tu le prépares, mec. Rôti sur une petite broche, là. Oh là là là. Ça, ça doit être. Ça doit être super bon. Ça, par contre, bon, ça, je suis pas sûr que ça soit bon, ça. En vrai, à quel moment je 1v1 pas à ce lion, les mecs? Franchement, s'il est dans cette position et que je mets toute ma force dans mon pied et je le cogne au niveau du museau, en vrai, il y a un monde où ça peut lui faire mal quand même. Mais pourquoi vous... Putain, mais il me casse les couilles, le rat, lui. Un sub. T'auras pas ton sub. Dégage. Mais y'a que des lions, genre. En vrai, tu vois, je trouve que cet animal, il arrête pas de se la péter. Ça se voit. En fait, l'autruche, elle sait qu'elle est bonne. C'est ça le truc. Elle est en mode, oh, mais je suis une autruche. En fait, tu vois, je suis super élégante. Tu vas faire quoi? Regarde mes cuissons. J'aime pas cet animal parce qu'il se la pète. Elle arrête pas de bomber. Genre, elle montre que, ouais, ouais. Quand on a un petit coup de fusil, frère, c'est réglé. Hein. Ça se mange. Bah, tout se mange, hein, les mecs. Tout se mange. Même vous, vous mangez, malheureusement. Et en vrai, je préfère manger une autruche qui est morte de maladie que de manger un viewer. Parce que quand je sais ce que vous bouffez, les otakos, les McDo, voilà, vous avez une alimentation, laisse tomber à tous les coups, même si je vous fais bien rôtir, je tombe malade. Ça, ça a l'air tellement bon, mec. Ouais, c'est comme le lion, là. Ça aussi, pareil, hein. Ça à Noël, ça. En fait, je viens de me rendre compte que si des écolos ou des mecs de la protection des animaux ils tombent sur mon stream, je suis fini en fait. Mais 100%, je vais me faire cancel dans 2 ans, les gars. Y'a pas autre chose que la savane, non? Vous avez pas proposé pas autre chose, là? C'est quoi comme goût la girafe, les gars? Tu sais, y'a déjà un bouc qui s'est dit, vas-y, je vais grailler la girafe. Il est à l'envers, là. Oh, tu pris une pancarte ou quoi? Pourquoi il est... Oh, je peux plus, là. Je peux plus tourner, là. C'est un mirador. Ah! Ah! On dirait que la personne qui l'a créé, il s'est donné à fond sur 90% du skin. Et après, il a oublié un truc, là. Oh là là, et le zèbre, hein. C'est stock, en fait, hein. Là, je le vois, mais en fait, je peux pas enlever un zèbre. Alors, en même temps, à quel moment tu veux être violent avec lui alors qu'il a l'air tout posé, genre, il a l'air paumé, genre. Il est en mode, oh, ma vie, c'est juste de brouter de l'herbe. Là, voilà, il y a de la bouffe partout. En fait, nous, on se plaint quand on a faim, mais ces mecs-là, ils ont de la bouffe partout. Ils ont de la bouffe partout. Dans les arbres, par terre. Le bouc, son carrefour à venir, il a juste à se baisser, et hop, il graille. Et ça a bon goût. Et il paye rien, c'est gratuit.
Et nous, on est là comme des cons, on fait quoi? Nous, on vend. On vend de l'herbe. Regarde, c'est juste ça. Il va là, oh, elle a l'air bonne, cette fleur, hein, oh. Oh, cette feuille-là, elle a l'air bien juteuse, hein. Ouais, mais en vrai, être méta dans ce monde, faut pas être carnivore. Genre, eux, ils sont dans la merde, tu vois. Parce qu'eux, ils peuvent pas bouffer de l'herbe. Ils vont pas survivre en bouffant de l'herbe. Vaut mieux être un herbivore qui sait bien se défendre. C'est pourquoi les carnivores, ils attaquent tout le temps les autres. Parce qu'ils ont besoin de viande, en fait, ils ont pas le choix. Mais si tout le monde était herbivore, en fait, on boufferait tous de l'herbe. Il y aurait pas de problème, il y aurait pas de violence entre les espèces. Ah ouais, j'avoue, surpopulation. Bah, enfin, on peut pas, pourquoi ils nous mettent pas un limiteur au niveau des couilles? Genre, je sais pas, on a un quota de 1. Genre, on a un essai, frère. Voilà. La vie, en fait, on a un essai. Je suis un homme. Allez, grand max, j'ai deux essais. J'ai deux cartouches. Faut bien choisir. Et après, ah oui, par contre, après, bon, du coup, ça... Si tu nies tes cartouches avant... bon, après, c'est mort, mais bon, voilà, faut revoir un peu le concept. Faudrait choisir de pouvoir activer, genre, tu tournes ta couille, et ça active les vannes, en fait. Faudrait faire ça. Je pense que si on pouvait créer un humain 3.0, faudrait avoir le choix de pouvoir créer ou pas la vie. Parce que, bon... Vas-y, on est là, on aime bien copuler, tu vois. On aime bien copuler, mais s'il faut niquer des cartouches, c'est un peu chiant. Mais ce serait une mise à jour intéressante. Tu tournes ta couille, tu fermes les vannes, tu retournes ta couille, tu ouvres les vannes. Et pareil pour les femmes, je sais pas, genre, elles se pincent le crâne, hop, c'est fini. Ça bloque les ovules, j'en sais rien, moi. Oh, l'éléphant, tu vois, l'éléphant. L'éléphant, frère, il est loin. Nous, on se prend pour des connaisseurs et tout. Non, lui, il connaît tout. Lui, c'est vraiment... Il a été... Tu spawns en éléphant, et t'es content. Hein. Le seul qui peut te niquer, c'est nous. Parce que nous, on est là... Fusil à pompe, lance-flamme. Lance-flamme, tu vois. Mais en vrai, l'éléphant, personne ne peut le fumer. Hein. C'est Zunesh, ouais, c'est ça. En plus, il vit longtemps. Ah, ça doit être... Moi j'aimerais trop être un éléphant pour pouvoir manipuler mon pif comme ça. Là. Tu vois ma trombe. T'es là, hop, tac 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 tac. Je passerai mon temps à renifler des trucs. Je renifle de la terre, du caca. Je renifle des fiacs, tu vois. Genre, je renifle plein de trucs. Je vous ai raconté la fois où au zoo j'ai vu deux éléphants copuler? Non, je vous ai pas raconté ça. J'étais au Ghana, dans un zoo. Et il y avait une femme éléphant, elle faisait du bruit, elle faisait des... Et là, il y a le vieux éléphant, derrière, il arrive, il se met sur ses deux pattes, hein, les gars. Il se met sur ses deux pattes. Et là, je vois un... Tu vois, moi, je pensais que j'avais un énorme bazouzou, mais en fait, je suis une merde. Mon bazouzou, il est minuscule, frère, comparé au sien. Et je suis sûr que c'était un éléphant avec un petit bazouzou. Hein. Mais... Le truc qui est sorti, je vous assure que un éléphant, il peut me tuer en me biflant, les gars, vraiment. Un éléphant excité qui se tourne d'un coup parce qu'il est surpris et il met une bifle, c'est fini. C'est terminé, il peut me tuer avec sa matraque. Le hippo, en plus, je ne comprends pas pourquoi l'hippopotame dans les dessins animés, il est tout gentil, alors qu'en vrai, dans la vraie vie, ça se voit que c'est un méchant. Ça se voit que c'est un méchant. Franchement, il a pas l'air gentil, hein. C'est un porc énervé, genre. Franchement, le connard qui a eu l'idée de rendre gentil des éléphants, il peut s'en vouloir, des hippos, parce que... Il peut s'en vouloir, parce que 100%... Ah, mais j'ai vu un dessin animé avec un hippopotame, il était trop sympa, 100%, il y a un enfant, il a voulu câliner un truc comme ça. On l'a jamais revu. Ouais, comme c'est moche, c'est horrible. Horrible. Et tu vois, un hippopotame, je pense qu'il a la viande tendre, hein. Genre... Je pense que ça, pareil, avec toute la graisse et tout à la broche, là. Ah, mais ça, alors ça, c'est en amuse-bouche, ça, c'est incroyable. Hein. Oh, ça, c'est... Là, avec des frites. Ah, on est une espèce de merde, hein, les gars. Ah, moi, je... Ah, mais même lui... Mais alors, lui, il est incroyable. Lui, c'est un Pokémon, tu vois.
C'est un truc que tu collectionnes. Tu mets sur ton épaule. Il est magnifique, hein. Mais il serait meilleur dans mon bide. Ça, à tuer, pareil, c'est facile. Hein. Tu te mets au-dessus, un coup sec sur la nuque, il bouge plus. La nature est quand même mal faite, les gars. Pourquoi on n'a pas été armés tous de la même manière? Parce qu'en soi, quand on spawn, c'est un peu un battle royale. Ton but, c'est de survivre. Mais pourquoi moi, je n'ai pas les mêmes atouts qu'un éléphant? Pourquoi je peux pas envahir un éléphant? Physiquement! Juste moi, j'ai un cerveau et du coup, j'utilise les matériaux qu'il y a autour de moi pour le RPG. Mais en vrai de vrai, pourquoi tous les animaux, quasiment, allez, on va dire 60% des animaux, ils sont plus forts que moi? En 1v1 pur. Pourquoi nous, on est fragile? On a des vieux os, tout niqué. On met une patate, on fait zéro dégâts. Théma, même quand on regarde les combats des meilleurs combattants au monde que le monde a créé, même les combats, je les trouve gaze. Alors que la dernière fois, on a vu éléphant contre hippopotame, ça c'était un vrai combat. Ça c'était un combat d'homme. C'était pas une ganou contre... C'était pas l'autre avec son pied, il prend une écharde et c'est fini. On est nul, mais on reste les... Oui, mais parce qu'on a un cerveau. Si on est les seuls à se dire, oh bah tu sais quoi? Oh ce métal, oh, je vais le faire fondre. Et après, je vais faire des balles avec. Et après, je vais étudier la physique. Et grâce à la vitesse de la balle, et bah ça va faire tellement de dégâts qu'il va mourir. Non, tu vois? Parce qu'on est les seuls à faire ça. Mais si demain, il y a une mutation chez les éléphants, et que les éléphants, ils décident d'utiliser le décor pour nous fumer, nous, mais on fera rien du tout, les gars. On verra des éléphants avec des kalaches. Eux, ils vont tanker. Ils vont tanker 4-5 balles, tu vois? Nous, on se prend une balle, c'est fini. Hein. Franchement, pour vous, c'est quoi le pire animal si tu spawns sur Terre? Le pire! Genre, tu n'as aucune chance de survie. C'est... T'es gaze. Tu tiens que dalle. T'as aucun... Tu peux même pas te défendre, genre. Axolot, éphémère, le singe. Les gars, moi, je vais vous dire c'est lequel. C'est le koala. Le koala, les mecs. Mais la personne qui a créé le koala... Mais pourquoi, en fait? Pourquoi? Il est là, le boug. Il est comme ça. Il attend sur son bambou. Et il fait rien. Il fait rien. Il attend, il est tout gentil. Juste s'il spawn, il bouffe de l'herbe. Il bouffe des feuilles. Mais pendant... Ah, paresseux. Non, mais paresseux. Non, mais... Oh là là. Oh, le malus. Le mode ultra hardcore. Le paresseux. J'avoue, c'est le pire, le paresseux, en fait. Le paresseux, je ne comprends pas. À quoi il se fait attaquer, mais tu attends, en fait. Tu te fais attaquer par un lion, le paresseux, mais c'est fini. Tu te fais attaquer par un humain, c'est fini. Le paresseux, c'est violent, ouais, mais c'est facile à tuer, genre, il est là. Attends, frère, tu vas voir. Le paresseux... Paresseux attaque. Vas-y, on va regarder. Puma versus paresseux. Le puma contre le paresseux. Le puma contre le paresseux. Le combat, pour moi, c'est pesé emballé, on passe à autre chose. Mode de défense, le camouflage. Le camouflage. Mais je le vois, là. Ça, c'est son premier talent. Donc, quand on a créé ce book, on a coché une case camouflage. On le voit. Y'a que les cons qui le voient pas. Il est si lent que des algues poussent dans sa fourrure et l'aident à se... Pardon ? Camouflage. Il est si lent que des algues poussent dans sa fourrure. Des algues ? C'est un animal terrestre ? C'est un poisson ? Comment ça, y'a des algues ? Non mais, quand on dit ça, 8 secondes, 10 secondes sur le paresseux, mais c'est fini. Tu es l'animal le plus faible de cette planète. Et l'aide à se fondre dans le décor des arbres. Cette femelle devrait se hâter, mais ça, c'est impossible. Mais pourquoi ils sont lents? Est-ce que y a une explication, en fait? Pourquoi ils sont mous comme ça? Le tueur implacable fait face à une cible affable. Bah oui, c'est ça. Le bug, il est là. Ah, je peux rien faire, j'attends. Génétique, ouais, mais la génétique, elle est mal faite. Le puma hésite un instant. Mais la proie est trop alléchante. Tu veux qu'il fasse quoi?
Le puma est un excellent grimpeur. Mais ce paresseux est déjà remonté assez haut dans le... Il consomme le moins d'énergie possible et il mange une plante toxique qui lui prend... Oh le con! Putain, il consomme... Mais pourquoi il bouffe une plante toxique? Enfin, donc là, t'es en train de me dire que si demain, j'adopte un paresseux et que je lui donne, je sais pas, des croquettes énergisantes, en fait, ça se trouve, on va niquer la nature. L'arbre. Ça se trouve, le paresseux, les gars, ça va être l'animal le plus fort de cette planète. Et il s'accroche aux branches. En fait, ils sont défoncés. Ils sont défoncés. Le félin... Moi, mon rêve, les gars, c'est de voir un paresseux avec une AK. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais j'ai l'image d'un paresseux, tu sais, au sol, avec une calache, et il est comme as. Un redescend avec une idée... Avec des petites lunettes, genre. ...derrière le museau. Ses griffes ne sont certes pas aussi longues que celles du paresseux, mais il peut les aiguiser pour viser son succulent trophée. Il va mourir, le mec, hein. Il peut pas gagner, hein. C'est impossible. Tima, il arrive même pas à s'accrocher à sa propre branche! Ça a failli passer. Mais ça ne suffit pas. Moi, je pense que le puma, il est gaze, hein. Voilà un paresseux bien chanceux. Le puma ne renonce pas pour autant. En vrai, 1v1 un puma, le mec. Il y a un monde où... Sur un malentendu, ça peut se faire. Ça peut se faire. Ah, il... Oh putain, mes frères! Il est mort! Mais oui, mais quelle idée! Tu spawns un paresseux, pourquoi on a cliqué sur cette vidéo? Pourquoi on a regardé? Voilà, c'est un sac qui se pack maintenant! Il n'y a même pas de force! Il dit rien! Ses 40 kilos font à présent pencher la balance de son côté. Là, par contre, le puma a l'air complètement con. Hein. Si la femelle desserre son étreinte, ce sera la fin. Et après, par contre, après, il faut qu'il remonte vite, hein! Mais c'est quoi ce combat, mec? La scène est incroyable. Ça va lui arracher un truc, hein. Le puma... Mais pourquoi... il est entre la vie et la mort. Non, mais en fait, je pense que dans la tête d'un koala, les gars, tout ce qui l'entoure, c'est des bonbons. Merci à Bido, frérot, merci beaucoup. C'est des bonbons. Tout est rose. Il y a des pétales, il y a des licornes. Parce que là, se taper une barre... Alors que peut-être que dans 10 secondes, c'est fini pour toi, je ne comprends pas. Commence à s'impatienter. Oula. Ses griffes affûtées lui permettent de grimper au dos de sa proie. C'est fini, les gars. Un coup de mâchoire suffit à lui briser la nuque. C'est terminé. Ah, c'est foutu. Putain, mais frère, quelle idée d'être un paresseux aussi, hein. D'ailleurs, les... À 17 km des côtes du Panama, cette île n'est pas plus grande que le Champ de Mars à Paris. Moi, j'ai une question quand même, les gars. C'est comment un paresseux fait pour concevoir un autre paresseux? Comment le gars arrive à trouver la force au doux Jésus pour créer la vie? De toute façon, dès qu'ils arrivent à faire un enfant, le bébé paresseux, il quittera jamais les 10 mètres aux alentours. Hein. Il pourra jamais traverser une mer ou je sais pas quoi. Hein. Non mais là on dirait une peluche, on dirait même pas un vrai paresseux. Putain mais mec il a jamais été aussi rapide, ils sont complètement cons en fait, restez dans l'eau les gars. Serait-ce-elle là-haut? Oh là, mec il a traversé un étang pour une femme. Le pouvoir de la mort. Il progresse, lentement mais sûrement, guidé par les cris de la femelle. C'est bizarre mais la femelle on l'entend plus du tout, hein. Mauvaise pioche, la femelle a déjà un petit. Il a mis un mois.
Il a mis un mois et demi à venir ici. Elle a déjà un comé. Oh non, bah on repassera dans 6 mois. De toute façon, le temps de faire l'aller-retour, c'est bon. Hein. Et il est trop aigri, il est en mode... Oh non, putain. Oh, franchement, être un paresseux, c'est atroce. Hein. Seule consolation, sur cette île minuscule, elle ne peut jamais être très loin. Ah bah oui, c'est sûr, mais... Non mais là, là mec, hey, y a des trucs, il y a des documentaires, laisse tomber. Hein. Le paresseux doué... Comment ils font l'amour? Un ours se masturbe. What? Le réchauffement climatique, les gars. Non, je vais pas ça. Frère, je vais pas vous montrer une masturbation d'ours. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai juste tapé paresseux font l'amour. Hein. Le mâle autruche a un énorme pénis. Oh, le... Frère, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que... Franchement, hey, tu vois l'autruche, tu dis pas il est une grosse beuteux. Non, c'est bon, c'est... Animaux sont un accouplement agressif. Les hippos, ils font comment? Et leur vie pour ton amour. Là, elle est en mode, oh putain, qu'est-ce que je vais prendre? Là, je crois qu'elle a... Elle se sent pas en sécurité. C'est ça, là? Il est arrivé avec sa grosse bedogne. Il a tout donné là-dessus. Sur ce coup. Et elle est sous l'eau, elle est en apnée, genre. De même que la naissance, il a encore... Bah, au final, je suis un peu déçu, hein, mec. Il a mis un à-coup dans la flotte. Éléphant qui fait pipi caca. 2 millions de vues. Bonne soirée, les gars. Bonne nuit. À demain. À quoi ça sert de faire des vraies vidéos quand l'éléphant qui fait pipi caca, il fait 2 millions de vues? Pourquoi? Accouplement des serpents, tellement glamour, ça je veux voir. Je veux voir comment les serpents ils kennent. Les couleuvres vipérines sont aussi des animaux aquatiques. Et elles s'enlacent tout aussi passionnément que les crapauds. Les premiers jours du printemps les ont sorties de leur torpeur. Et elles ont deux besoins pressants. Se nourrir après les mois d'hiver et s'accoupler. C'est moche un serpent. Ah, c'est... Avec la musique, frère. Allez, on va mettre des roses, on va allumer des bougies. On met un peu d'encens. Regarde, j'arrive. Elles trouveront ce qu'elles cherchent dans les cours d'eau qui serpentent à travers la forêt. Regarde comment je serpente, t'as vu? J'ai des belles ondulations. Quand un mâle et une femelle se rencontrent enfin, ils se frottent l'un contre l'autre pour se stimuler. Ces couleuvres n'ont ni crochet ni venin. Elles ont pour seule défense les motifs sur leur peau et la forme triangulaire de leur tête. Grâce à ces attributs, elles ressemblent à s'y méprendre à une espèce de vipère venimeuse, ce qui dissuade les prédateurs. Non mais moi c'est la musique qui me dérange, c'est pas possible. Moi je voulais juste voir comment ils font. Pourquoi là je me retrouve sur PH mais vers son serpent? Ah, la pub du hack, ça a changé clairement. Regarde. La parade nuptiale des couleuvres vipérines se termine dans un enchevêtrement de corps enlacés. Attends, mais pourquoi il y a des boucles de France Télévisions qui sont payées pour faire ça? En fait, c'est quoi comment le reportage a été écrit pour en arriver à là? C'est ça la question. Wesh, doucement mon frère, doucement. Ah, il donne tout là. Ah ouais, oh, c'est répugnant le mec.
Oh putain, cours de SVT, hein. Oh, des serpents. Ah, mais Kaylee, là, c'est des serpents qui sont en train de s'envoyer, là. À coup de serpentine, à coup de venin. Ouais, il a fini son boulot, hein. Ah, il a, je le dis haut et fort, le serpent a mieux fait son boulot que l'hippopotame. L'hippopotame, vraiment, il est arrivé. Ah, ah, il a mis son vieux cou, là. On aurait dit un vieux en EHPAD qui ken, frère. C'est quoi, ça? Il a tout donné, hein. Vous êtes perdu sur YouTube. Ah, bah là, on est dans les bas-fonds. Et dis-toi, la vidéo d'avant, qui est recommandée par YouTube, hein, c'est What the fuck, un ours se masturbe. Et bien évidemment, je vais pas cliquer dessus. Hein. Là, on atteint les limites. Les migales, ça couple. Mais attendez, les gars, les vidéos des animaux, c'est que des trucs violents. Les mâles sont violents avec leurs partenaires sexuels. La panthère nébuleuse mâle est violente avec ses partenaires. Tout le temps, c'est que ça. Accouplement. Qu'est-ce que... C'est quoi ça? Wesh. Hey. Oh là là. Oh là là là. Oh, Kounia Mamaro, frère. Oh, il a fait zouker, là. Oh, l'écureuil, il a un meilleur déhanché que moi, frère. Oh, il est... Tu la sens, la grosse noisette, Brenda? Qu'est-ce que c'est, les gars? Oh, les coups de bassin, rabat. Eh, prenez exemple, hein. Oh, les écureuils, frère. Non, les gars, c'est trop, ce stream. C'est trop. C'est trop, mec. Comment on en est arrivé, là, hein? On est quand même pas... Dites-vous qu'on a commencé sur Théodore. Et là... À minuit 10, je regarde un écureuil qui est en train de tout donner, frère. En vrai, si vous enlevez votre follow, je vous comprendrai totalement. Non, c'est trop, les mecs. Hein. Le koala n'est pas si mignon. Comment ça? Sexe. Comment font les... Mais maintenant, voilà, frère, j'ai que des recommandations d'animaux qui kennent. Un éléphant qui a une voiture? C'est trop. Je peux pas. C'est quoi ça? Non. Les gars, j'ai que des trucs bizarres maintenant. Ça, c'est bon. Non, oh, c'est trop. On a niqué mon algo. Regarde. Il y a Théodore. Non, ça va, il n'y a pas d'animaux qui ken là. Il y a 8K nature. Et au milieu, il y a Théodore et Mino, frère. C'est... Ah, oh, les gars, je peux pas. Déjà, les écureuils, là, c'est bon. Je me rends compte que l'écureuil, il est plus performant que moi. Les gars, on est nuls, en fait. Moi, je suis là, 5 secondes, la clope, elle est déjà allumée. L'écureuil, il donne tout, lui. Comme si sa vie en dépendait. Il est meilleur que moi, j'ai le seum. J'attends l'ordre. Non, alors, je peux pas mettre ça, frère. Je peux pas, c'est trop. Je sais même pas ce que ça fout sur YouTube. Comment on en est arrivé là, les gars? Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce dérapage? Oh, bonne question. Putain, il y a de la politique, il y a Macron, frère, juste derrière les couilles des écureuils. La Nouvelle-Calédonie, c'est pas le Far West. Je sais même pas ce qui se passe dans le monde actuellement, mais... Regardez les paresseux. Mais je sais toujours pas comment ils font pour Ken, hein. Vraiment, hein. Pour le contenu, l'ours, non, je peux pas regarder ça. Moi, je me mets en grosse tête alors, mais je vous montre pas ça, frère. Je vous montre pas ça. Et on termine là-dessus. Après la saison des pluies, vient la période des amours. Comme tous les mammifères marins, l'ours du Werdostan en profite pour se dégourdir les pattes en sortant de son terrier. Quoi de mieux qu'une bonne branlette pour se mettre en... Aucun tact, frère.
de son terrier. Il a pété les plombs. Quoi de mieux qu'une bonne branlette pour se mettre en forme toute la journée? Sous le regard indifférent de sa famille, l'ours du Werdostan aime secouer et frotter énergiquement son sgeg poilu pour se faire du bien. C'est d'ailleurs... Bon les gars, demain je prends un jour off, on se revoit dimanche, ok? Je suis à 30 secondes, elle dure 1 minute 30, hein. je ferme pas. Le texte c'est trop. Là le gars il abuse le narrateur, il en rajoute là. Son énorme sgeg poilu, c'est une parodie, c'est pas possible. C'est pas possible. Possible. Mais je le vois, hein, il est là, il le fait. Hein. Mais c'est trop. Ce narrateur, il savait que c'était son dernier documentaire. Hein. D'ailleurs, la particularité de tous les animaux vivants au Werdostan. Tous pratiquent le plaisir solitaire, sans exception. Là, les gars, il y a des ours qui sont... Mais qu'est-ce que je regarde ?